Ouais, ouais, gros, les refs sont dans la place. Bien ou quoi? Spécial dédicace à l'histoire géo et aux élèves de TS2, toi-même tu sais, ouais. Écoute mon flow, kiffe la vibe. Allez, c'est qui part? C'est bientôt l'heure du bac, tu te sens tout pas trop. Tu deviens insomniaque, hypochondriaque, paranononoïaque. Si tu veux pas prendre une claque et casser la baraque, tu dois du taco 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 préparer tes attaques. Contre question opaque, ceux qui font passer le bac. Pour ça y'a pas de mystère, la réponse est binaire. Il faut que le dictionnaire devienne ton bréviaire. C'est un petit peu galère, mais bon c'est nécessaire. Mais si tu réfractaire, si t'es pas volontaire. Pour commencer, un peu d'histoire, voilà quelques dates que tu dois savoir. 1914, c'est la guerre. 1939, encore la guerre. Mai 68, révolution. 89, révolution. 1917, révolution. Mais c'est pas tout, tu dois savoir. Adolf Hitler était mauvais. Winston Churchill était anglais. Roosevelt ne buvait pas de lait. Charles de Gaulle était gentil. Et Staline était tout petit. À peine plus petit que Sarkozy. Parce qu'il avait pas de talonnette. Robespierre était en l'air. Et Louis XIV était solaire. Colomb a inventé chewing gum. Marco Polo, la roue du Rhum. Voilà, c'est tout, ça semble naze. Mais avec ça, tu as les bases. Les refs viennent à ton secours. Ouais, ouais. Modeste troubadour. Comme un ultime recours. Pour ce foutu concours. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Un peu d'anglais, vite fait. Finis tes phrases en disant yeah. Ça fait ricain, donc ça fait bien. Et ça fait tout sauf bon à rien. Un petit exemple pour que tu comprennes. Un exemple pour que tu understand. Repeat after me. My name is John, pretty good name, yeah. I want my bike, that is my hip, yeah. Barack Obama is a good president, yeah. George Bush is well. I like to be American resident, yeah. This country is at the ball. Yeah, it's a ball. Exactly, ça conforme. Yeah, article bien faux qu'on entend. Yeah. C'est pas sorcier Jamie. T'as understood? No. Les refs viennent à ton secours. Modeste troubadour. Comme un ultime recours. Pour ce foutu concours. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Écoute des mathématiques, un peu de bon sens, un peu de logique. Il y a les suites géométriques, font pas suite aux arithmétiques. Les dérivés c'est primitif, c'est finalement très intuitif. Si tu l'intègres sera décisif. Rendons le tempo du logarithme, le n'est pas rien à un gros bit. Le décimal se comprend vite, quant aux limites font t'en es pas. Et les complexes ne le sont pas. Les équations différentielles, on pense au luste exponentiel. Enfin souvent une fois sur trente, si c'est pas ça prend la tangente. Ou le sinus si ça te chante. Les refs viennent à ton secours. Modeste troubadour. Comme un ultime recours. Pour ce foutu concours. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Les refs viennent à ton secours. Modeste troubadour. Comme un ultime recours. Pour ce foutu concours. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. On respecte ses génétiques. Brassage interchromosomique, brassage intrachromosomique. Penche-toi aussi sur la TP. Vois les tournois à la télé. Celui qui n'est jamais stocké. Enfin retiens que l'homme est un eucaryote et un amniote. Un vertébré, un tétrapode qui souvent possède un iPod. Pas moi. Reste la philo, c'est du gâteau. Surtout si t'aimes les pépitos. T'as qu'à relire Jean-Jacques Rousseau, Antoine Cournot, Denis Diderot. Et puis Voltaire et D'Alembert. Ah, je vois que tu deviens vénère. C'est du boulot, ça te met les nerfs. Dans ce cas, relis tout BHL. Ça synthétise, c'est l'essentiel. Reste à voir la géographie. Il faut que tu saches placer Paris. Et puis savoir les capitales des USA, du Portugal, Costa Rica et puis Cuba. L'Indonésie et le Cap Vert. La Croatie et celle de l'air. Ah, je vois que tu redeviens vénère. Encore du taf, ça te met les nerfs. Apprends juste celle du Swaziland. Et puis pour qu'on te la demande. Les refs viennent à ton secours. Modeste troubadour. Comme un ultime recours. Pour ce foutu concours. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Ouvre bien tes oreilles, vas-y, t'as dans tes mains. Ce son, c'est une merveille pour rassurer enfin. Les sciences physiques, c'est très aisé. Les doigts dans le nez, même s'il est bouché. Il ne faut juste pas oublier de rajouter des unités après tes calculs compliqués. Vois tes becquerels.
Maître Seconde et Décibel, Ampère et Volt, Farad Henry, Obzulu, Menipi, Diopi, Coulo et Hertz et Candela, Kelvin, Pascal et puis Tesla. Et notre bâton mémorandum, la molle est un paquet d'atomes, Newton était mangeur de pommes, le curry n'est pas une épice, ça met le dans ta calculatrice. Ça y est. Les enfeux viennent à ton secours, modeste troubadour. Bien vu les gars, merci d'être venus. Bien ou quoi, rentrez bien chez Watt. Tranquille Basile, allez pas trop vite. J'ai des dossiers sur tout le monde, donc tapez-vous par l'affiche. Merci d'être venus et à bientôt. Bien, je vous rappelle que l'épreuve dure 3h30. Vous voudrez bien sentir votre convocation ainsi que votre pièce nationale d'identité. Je vais maintenant vous donner le repère de l'épreuve. Il s'agit du B147-152-272-2024. Je ne le répéterai pas. Vous pouvez retourner les sujets. Bonne composition, bonne chance.